Salut à toutes et à tous, c'est Duc Prono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, la vidéo tombe à pic et je vais vous parler de Sora Data parce qu'évidemment j'ai mon abonnement qui s'est remis à jour après une année de blanc et loyaux services chez Sora Data. Je rempile pour une année pour un montant de 99 € par mois, 99 € par an ou dollars, je sais plus. Donc je vais vous dire pourquoi pour moi c'est essentiel, vraiment essentiel d'avoir Sora Data. Et pour tous les managers, nouveaux managers, anciens managers, c'est vraiment essentiel. Au final, c'est peu d'investissement pour une bonne rentabilité et optimiser les décisions qu'on peut prendre. Et comme c'est un jeu d'argent, évidemment, c'est toujours le mieux. Donc ouais, donc moi évidemment je suis membership star, renouvellement toutes les années à partir du 9. Donc là on est le 12, ça s'est renouvelé automatiquement, mais forcément vu qu'il y avait la traversée nationale, j'ai pas fait la vidéo directement. Donc Sora Data, qu'est-ce que ça nous permet Sora Data star, l'essentiel. Donc là on a nos Sora Result, tout ça. Pour le scouting, c'est vraiment super intéressant. Pas tellement pour ça, hein. Mais on va aller sur un joueur, par exemple, un mec que j'aime bien. Par exemple, le petit James Maddison. Et bien, en fait, là, il joue à Tottenham. On peut voir ses scores. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser toute l'application au global. On peut savoir le nombre de matchs, tous ses scores qu'il a fait par team, hein, Angleterre, Leicester, quand il était à Leicester. C'était quoi sa moyenne? Tout se calcule automatiquement. Les compétitions, ça c'est vraiment, vraiment super, super important. Donc ça c'est plutôt cool. On peut voir tous les derniers prix, on peut voir le graphe des prix d'un an, year to date, enfin de toute la vie, les prix qu'a coûté James Maddison. Ça c'est important. On peut aussi voir s'il va être titu, s'il va pas être titu. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le line-up builder. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel, hein. Et grâce à Sora Data, on va dire la version payante, ça va nous mettre le pourcentage de victoire. Ça va nous mettre la possibilité de clean sheet de la part de l'équipe pour les défenseurs. Voilà, ça va nous mettre s'il est titulaire ou pas, le nombre de prédictions, etc., etc. Là, il y a 4 prédictions. Là, il y en a 5. Il est sur le banc. En fait, ça nous donne énormément d'éléments sur les joueurs, sur quelle est notre meilleure équipe par exemple. Là, on peut aussi demander à Sora Data de nous faire une suggestion lineup, quelle équipe il mettrait. C'est quasiment la même que je mettrais, sauf que là je mets le petit Clément Vidal à la place de Ken Sema. Mais voilà, on a à peu près le peak score dans la bêta de Sora Data. Pourquoi lui c'est bien de le mettre, etc. Parce qu'il a un petit cost qui joue contre une équipe qui est dernier et qu'il est 100% d'attitude. Donc forcément, lui, il a une superbe note. En gros, là, j'ai un joueur qui a un double A, deuxième joueur qui a un double A, un D. Mais il est tellement fort que franchement, il n'y a pas de solution. Il a un D parce que je pense qu'il a 60, mais en soi, en termes de notes, il est vraiment plutôt pas mal. Lui, il a un A parce que il est dans la même équipe que lui, etc., etc. Donc franchement, c'est au top en fait. Et toutes les décisions que vous allez prendre, forcément, ça va vous faire énormément gagner. Surtout, en fait, il va y avoir un petit truc qu'il va falloir respecter. Je pense que si vous jouez en limited, honnêtement, si vous jouez en limited en 4-240 limited, ça va pas forcément vous être utile pour deux raisons. Parce que pour rembourser votre abonnement à Sora Data, il vous fera 20 game week gagnantes. Et ça sera uniquement pour rembourser Sora Data. Alors que si vous jouez en rare, ça fait 2 game week et vous avez remboursé votre abonnement. Donc franchement, c'est plutôt easy. Et c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel pour optimiser si on se lance sérieusement dans le jeu. Si on met, disons, moins de 300 €, pas sûr que Sora Data membership avec toutes les activités soit réellement, réellement utile pour vous. Mais au-delà de 500 €, je vous conseille absolument de prendre Sora Data. C'est un essentiel pour tout manager Sora qui veut essayer de gravir les échelons, de passer un à un les étapes. C'était tout pour moi. C'était Duc Prono. Ciao. N'oublie pas de t'abonner.